Est-ce que Eusebio, j'avais bon goût quand j'étais petit. J'avais deux idoles, c'était Eusebio et Beckenbauer. Et donc ils étaient affichés dans ma chambre. Et en plus de ça, ce maillot de Benfica avec les cuissons, et c'était un truc, je le regardais un petit peu comme une espèce de dieu, comme les jeunes d'aujourd'hui doivent regarder Ronaldo, Messi, Ribéry, ces joueurs-là. Et c'est vrai que bon, 71 ans, on pouvait quand même penser que le destin pouvait lui accorder de voir encore une Coupe du Monde qui puisait au Brésil. Malheureusement, il y a des choses bizarres, mais j'ai encore le souvenir de ce qu'il fait en 66 en Angleterre. La plupart d'entre vous, et toi en premier, tu n'étais pas encore de ce monde. Mais je me rappelle d'un match où les Coréens, après avoir sorti l'Italie, mènent 3-0, chose qui était assez époustouflante. Une équipe du Portugal KO, là c'était pas Benfica, c'était l'équipe nationale du Portugal. Et je crois qu'il avait dû mettre, ils avaient gagné 5-3, ils avaient dû mettre 4, voire même, je ne sais pas s'il n'avait pas mis les 5 buts. 4 sur 5 seulement, ouais, il avait mis que 4 sur 5 seulement. On lui pardonnera l'oubli du cinquième but. Donc c'est vrai que bon, ça fait un petit peu drôle de le voir partir. Et c'est pour ça qu'en début d'année, on n'est pas les originaux en se souhaitant la santé, parce que ça va vraiment très très vite.